bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis avec Elsa, oui. Il est 9h20, nous allons partir à l'hôpital puisque Elsa a un soin ce matin pour son pansement. Concrètement, comment vous dire que... Bah, il pleut, beaucoup même. Nous cherchons la canicule. Je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, nous partons sous la pluie. Les gars sont partis à l'école en short et en pieds nus. À part Combe qui a souhaité mettre ses baskets. Qui, pour le coup, a eu une judicieuse idée. C'est de la folie. Je suis dégoûtée. Bon, on est à l'hôpital. On attend le passage du médecin. On lui a enlevé... Alors, Elsa est en grand stress. Hein. Voilà. C'est l'état de son bras. Alors, effectivement, elle n'est pas épargnée. Hein, puisque... elle avait quand même été ouverte deux fois. Pour la même opération. Donc là, on attend le médecin, puis on verra bien. Bon, mais on est rentré à la maison. Elsa est partie à l'école, du coup. Elle mangeait à la cantine ce midi. On est arrivé pile pour qu'elle puisse rejoindre le groupe et partir à la cantine. Du coup, elle n'a plus son gros bandage. Bon, je vous ai montré ses cicatrices. Hein. C'est quand même assez... je sais pas comment dire, mais... C'est impressionnant quand même. Faut savoir que par rapport à ce que c'était avant, c'est bien, c'est même super bien. Parce qu'elle avait des grosses cicatrices très larges. Ces cicatrices, elles faisaient en largeur plus d'un demi-centimètre. C'est énorme, hein, si vous regardez sur une règle ce que ça fait un demi-centimètre, c'est énorme. Et en fait, le... Comment il s'appelle ? L'orthopédiste m'a expliqué que c'était dû à l'hématome qu'elle a eu, qu'elle avait en fait au moment de... C'est bien mon chat ? C'est dû à l'hématome qu'elle avait au moment de l'intervention en fait. Quand il a opéré, quand il a refermé, il y avait beaucoup d'œdèmes, beaucoup d'hématomes à l'intérieur. Ouais, Elsa n'en a plus besoin. Du coup, elle a plus son écharpe, elle l'a laissée là. Et du coup, c'est ça qui a fait que les cicatrices se sont écartées en fait. Mais du coup, c'était vraiment très très moche. Et là, en l'occurrence, il lui a refait des cicatrices bien fines, si vous avez vu. C'était la plus mal. Bah oui, c'est pour ça. Donc, vous savez, enfin, je sais pas si vous avez bien vu sur la vidéo, mais on voit quand même que les cicatrices sont assez fines. Donc là, elle est repartie à l'école, elle réutilise sa main, c'est super, donc tout va bien. Elle a deux pansements, donc elle doit avoir des soins infirmières pendant, à mon avis, deux semaines, je dirais, parce que c'est jusqu'à cicatrisation. Donc, c'est tous les 2-3 jours jusqu'à cicatrisation. Donc, on verra comment ça va s'organiser avec l'infirmière. Je vais appeler tout à l'heure. Et puis... la récréation. tu me tiens la main comme les amoureux. Autrement, j'ai une très, très bonne nouvelle. C'est confirmé, donc Anaïs revient à la maison, mais en plus, elle a décroché son salon pour aller faire son pépé. Et ça, c'est juste trop de bonheur, quoi. C'est l'essai qu'elle a fait quand elle est venue en vacances la dernière fois, en fait, est concluant et elle commence le 15 juillet, ma petite fille. Donc, moi, je suis vraiment, vraiment très, très contente. Ça me fait très plaisir. Coucou parce... les gens. Coucou les gens. Ça me fait très plaisir pour elle parce que elle angoissait en fait. On est déjà bientôt au mois de juillet et elle angoissait en fait de n'avoir rien trouvé. Donc là au moins c'est fait. Alors par contre ça va pas se passer en apprentissage. Moi je pensais qu'elle repassait par un apprentissage. En fait je suis désolée, la luminosité elle est mauvaise. Ouais peut-être comme ça, je sais pas trop. Mais en fait du coup ça va être en contrat pro qu'elle va le faire. Donc moi, je vois pas trop ce que ça va changer. Mais du coup, c'est encore en école privée. Mais c'est le salon qui paye. Donc, voilà. Pour elle, je pense que ça change rien. Du coup, bah, elle est très, très contente. Donc là, elle arrive samedi. Je ne sais pas encore à quelle heure, mais elle arrive samedi. Donc, bah, je suis ravie. Comment vous dire ça autrement? Je suis ravie. Elsa est ravie. Marceau est ravie. Tout le monde est content. Donc, ça va être chouette. Du coup, pendant les vacances, il faudra qu'on fasse un petit crochet chez son père pour aller récupérer ses dernières affaires. Donc, il faut que j'achète une housse compactable hein, parce que vu la quantité de vêtements, j'aurai pas assez de place dans le coffre. Sinon, il y aura trop de valises.
Du coup, bah voilà, c'était la bonne nouvelle de la journée. Enfin, du coup, les deux bonnes nouvelles, parce que j'avoue que j'espérais pas qu'Elsa récupère l'usage de son bras aujourd'hui, et pour le coup, c'est le cas, donc je suis vraiment contente. Voilà, donc bah là, on va emmener petit Marceau à la sieste. Et puis après, bah si, parce que maman, elle a des choses à faire. Hein. Je vais débarrasser la table, faire la vaisselle, passer l'aspirateur. Allez, tu vas faire pipi? Hein? Ce petit garçon qui voulait pas dormir il y a 3 heures. On en parle? Ouais? Parce qu'il vient de s'élever, hein, le coquin. Crapule. Bon, les amis, je vous reprends. Il est bientôt 18h. J'ai Elsa derrière qui est en train de faire ses leçons. Les gars viennent de partir jouer dehors. Hop là, l'appareil s'en va. Ils font du vélo dans le jardin. Alors, je ne sais pas si on était les seuls, mais nous, on n'a pas eu la canicule. On a eu de la pluie toute la journée. Là, le soleil, il se lève même pas à 18h. Il pleut plus. C'est déjà ça. Mais clairement, on n'a pas eu de soleil aujourd'hui. Donc, dans le Maine-et-Loire, il n'y a pas la canicule pour l'instant. Donc, on verra bien demain ce que ça va donner. En tout cas, aujourd'hui, le temps était vraiment, mais vraiment pas beau, quoi. C'était vraiment moche. Je vais vous faire un petit retour sur notre week-end ménage, puisqu'on est allé du coup faire le ménage à la maison. Donc, à la base, les enfants sont partis vendredi soir avec Eric. Et ensuite, le samedi matin, ils étaient chez Eric. Et puis, moi, je suis partie samedi en début d'après-midi pour faire le ménage dans la maison, enfin l'ancienne maison. Sauf que finalement, quand j'ai vu la charge de travail, je me suis dit, mais je vais jamais y arriver toute seule, c'est pas possible. Surtout que ce matin, j'allais à l'hôpital, cet après-midi, j'avais Marceau. Demain matin, j'ai le passage du menuisier. Demain après-midi, j'ai Marceau. Mercredi, j'ai les 4 enfants. Et jeudi matin, je rends la maison. Voilà. Donc, je me suis dit, clairement, ça va pas être possible. Donc j'ai envoyé un message à Eric pour lui demander s'il accepterait de venir m'aider, et il m'a dit pas de problème, j'arrive. Donc il est venu avec les enfants. Donc bon, les enfants, ils ont un petit peu leur repère, hein, dans le quartier là-bas, donc c'était pas vraiment un problème de les avoir. Eric avait emmené les déesses pour les occuper. Donc ça s'est relativement bien passé, même avec les enfants. Du coup, pendant qu'on était là-bas, bah, Eric et moi, on a bossé, mais comme des tarés, on a lessivé tous les murs, on a peint certains murs. On a lessivé les papiers peints, on a lessivé les plinthes, on a... Enfin, franchement, les portes, les interrupteurs, les prises, les fenêtres, les volets, on a tout nettoyé. On avait en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On avait 8 pièces à nettoyer. Et on a réussi à faire les 8 pièces. Dans la journée, non, pas dans la journée, je vous dis des bêtises. On a fait le samedi vers 18h30, je crois, on est reparti. Du coup, on a tous mangé chez moi, on a tous dormi chez moi. Et le dimanche matin, on y est retourné, on a continué, on a mangé le pique-nique, on y est retourné, on a continué. Donc, on a eu le temps de faire toute la maison. L'intégralité de la maison est faite. Maintenant, il me reste à faire le garage. Donc, on a vidé aussi le plus gros du garage, puisque en fait, le garage comprenait encore des choses que je devais emmener à la déchetterie. Donc, j'ai dit à Eric, écoute, tant que tu es là, charge-moi tout ce qu'il y a de plus lourd dans la voiture. Je vais l'emmener dans ma nouvelle maison, puisque ici aussi, j'ai des choses à emmener à la déchetterie. Donc, je vais voir avec Eric pour qu'on fasse ça ensemble. Il y a une déchetterie là où j'habite, donc c'est parfait. Et du coup, il va venir m'aider et puis on fera ça tous les deux, parce que moi, je pas porter des choses trop lourdes. Du coup, il m'a tout chargé dans la voiture, on a tout ramené ici, on a déposé tous les sacs de vêtements dans les bennes pour les associations. Enfin, sur 3, on n'en a déposé que 2 parce que le troisième était trop grand et du coup, il rentrait pas dedans. Et donc, bah, après, on est rentré donc ici, on a vidé tout dans mon garage, on a rangé correctement. Et puis, bah, le soir, on a mangé dehors, tranquille, on a profité du jardin. On a mangé dehors et puis bah finalement Eric est encore resté dormir avec me, enfin avec moi, il dort pas avec moi. Il dort, enfin là je lui ai, en l'occurrence je lui ai laissé mon lit parce qu'il avait mal au dos. Moi j'ai dormi là-haut dans le dressing.
vu qu'il y a déjà un lit là-bas. Et du coup, on a passé la soirée ensemble. D'ailleurs, vous l'avez constaté, puisque dans la vidéo Facecam sur l'éducation, il était à côté de moi. Et du coup, il est reparti là ce midi. Il a passé la matinée avec moi. Alors, ça m'arrangeait bien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est resté dormir hier soir. Parce que ce matin, j'allais à l'hôpital pour Elsa, mais je n'étais pas sûre de pouvoir revenir suffisamment tôt pour récupérer Marceau à l'école. Et Marceau, on n'a pas le choix que de le récupérer à midi, puisque lui ne peut pas en fait accéder à la cantine, ni il va pas à l'école l'après-midi, quoi. Donc, du coup, il faut qu'on le récupère à midi. Donc il est resté là dans l'éventualité où nous ne serions pas rentrés, ce qui n'a pas du tout été le cas. J'ai mis en ligne, enfin en ligne, excusez-moi, depuis ce matin, j'ai un mal de gorge terrible. J'ai un mal de gorge continuel, mais plus accentué ce matin. J'ai mis en ligne, en story, sur mon compte Instagram, la question, enfin, la, je sais pas comment on dit, la foire aux questions, hein, quelque part. Vous m'avez suggéré en vidéo du lundi de faire une foire aux questions, donc une FAQ. Du coup, j'ai ouvert les questions en story Instagram. Donc, n'hésitez pas à y aller. Vous avez du coup, je l'ai fait là, cet après-midi. Donc, vous avez jusqu'à demain, début d'après-midi, pour aller poser vos questions. Si vous voulez que j'y réponde, du coup, ça sera le thème abordé lundi. Après, les questions, vous pouvez me les poser aussi par mail ou même en messagerie instantanée sur Instagram directement, il n'y a pas de problème. Évitez de les poster en commentaire parce que je regarde les commentaires sur mon portable et que je suis pas certaine, mais je pense que j'en zappe quelques-uns. Je les reçois en notification pour la majorité, mais j'ai constaté il y a... Ben, c'était hier, je crois. Oui, c'était hier. J'ai vu en fait un commentaire passer dans la liste et en fait je n'avais pas eu de notification pour me dire que j'avais reçu ce commentaire. Donc, j'essaye pourtant de répondre à tous les commentaires que je vois. Hein. Donc, normalement, vous avez tous soit un like, soit une réponse. Mais c'est vrai que bon, il se peut que certains passent au travers du filet. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, même si la story n'est plus d'actualité. Je vais essayer de la poster plusieurs fois hein, d'ici vendredi. Mais si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller, ou même si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez tout à fait m'envoyer un mail pour me poser vos questions. Mais vraiment, évitez la zone de commentaires pour être sûr que je vois les questions et que je puisse y répondre. Donc, ça sera du coup le thème de la prochaine vidéo de lundi. Voilà, donc je vais aller préparer à manger. Je vais passer ma soirée avec mes enfants. Voilà, bon bah sur ce les amis, je vais vous souhaiter une bonne journée, puisque vous verrez ce vlog demain matin. Et puis, Comment ça, tu clôtures déjà bah le oui, je clôture le vlog parce que après, tu vois, je vais aller m'activer au repas, vaisselle, rituel de coucher. On va faire le bien et suis-moi ce soir, donc Ah ouais. bah oui. Donc, t'as du chocolat sur le bout du nez. Je regardais tout à l'heure le vlog de Baby Chou Family et en fait elle a fait tout son vlog avec du rouge à lèvres sur les dents et du coup à la fin elle en a parlé en disant non mais moi j'ai toujours la honte, je sais pas comment j'ai fait pour pas voir que j'avais du rouge à lèvres pendant toute la vidéo, mais ça m'a fait rire. Mais voilà, entre le rouge à lèvres et le chocolat au bout du nez, c'est pas mal. T'as fini tes leçons? Non, Ah mes cheveux, moi je veux. Oui, mais on va arrêter de parler de tes cheveux, on va faire tes leçons, puis on reparlera des cheveux après. Heureusement que je suis toujours là pour surveiller. Bon, les amis, je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé ce vlog, n'hésitez pas à le liker et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.